avant assassin yo décidé pour se assassiner ou assassiner Jovenel Moïse. Pablié. C'est 11 jours après que Ariel Henry fin désigné comme premier ministre. Question pour nous poser. Pour qui ça plan, c'était probablement, c'était kidnapping. Et puis les Ariel fin premier ministre, plan changé en assassinat. Ça, c'est important pour tout le monde qui attendait. Et ça qui vient faire sens à question ça, pour qui ça Ariel parle au moins deux fois avec Badio, jour même président Jovenel Moïse assassiné, et Badio était dans périmètre ça. Troisième bagaille, dernier bagaille. Pour qui ça Badio visite Ariel Henry plusieurs fois après assassinat, malgré Badio te gagné un mandat, la police qui était décerné contre lui. Moi, crois que dans l'article là tout, il y a un pile d'autres aspects, nous devons mettre accent sur yo, particulièrement moment yo décidé passer de kidnapping à assassinat. N'a pas rappelé directeur exécutif RNDDH là, t'es parlé de ça déjà, et ben de gros somme l'argent. Ça, elle t'a dit, le Martin Moïse t'es entré dans le pays là, et après assassinat, t'es allé sous scène de crime là, avec mini justice là, lui t'es prend l'argent, ou quoi t'es t'as des accusations ça autour, et Renal Luberis lui-même t'a dit que Jovenel Moïse t'es gros plan pour te faire une banque. Moi, j'ai dit ça pour auditeur, auditrice, radio, qu'est-ce qu'il y a, capitaine de nous là. Dans l'article là, il dit que enquêteur haïtien yo, enquêteur américain yo, yo écarté question drogue. Non, non, allégation qui fait yo, ça veut dire écarté question ça, yo écarté question ça, non, et article dit clair. Deuxièmement, moi-même, moi pas voulu cracher sur travail RNDDH a fait, parce que RNDDH c'est seule organisation droit monde qui fait de enquête pour président Jovenel Moïse là, pour moi-même qui est très cher avec lui. Mais, moi, pas d'accord avec l'autre forme d'assassinat qu'a fait là. Après, il vient d'assassiner président Jovenel Moïse physiquement. Mais je dis, il voulait assassiner mémoire. Moi, pensais que, moi, pas dit, c'est exactement ça, article ça a fait. Mais moi, crois que tout le monde qui a bon sens, d'accord avec moi, que, pas de aucun côté comme ça, d'ailleurs, dans le pays, là, pour pas sentir comme ça. S'il t'a dans une zone Pétionville là, c'est là, et bandit yo, assassin yo, yo te couru qui allait, c'est soit la foule yo mettel, ou bien, yo peuple a prendre la main yo, les abarité yo. Mais, ou t'a qu'un 40 millions de dollars, dans Pétionville là, tout le monde a poil, qui que je comme un cacachon, comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour me dire que moi, rejeté, t'es ça, revers de main, et moi, encouragé, la justice continue de travailler pour faire lumière sur ça. Il y a deux juridictions. Moi, je connais la justice haïtienne à travail. Moi, je connais la justice américaine à travail. Donc, nous avons besoin de résultats et la justice sous question ça pour nous faire, pour nous gagner, pour nous connaître ce qui s'est passé, effectivement. Et banque, Luberis, t'es pas le président après le faire? Je te passe vraiment dans le secret de Dieu. Je ne sais pas qu'on est au président d'avoir fait banque. Est-ce que tu as un projet banque? Et si tu as un projet banque, quel rapport tu as gagné avec l'argent? Est-ce que bon, dans la loi pour créer banque, est-ce que tu as créé une banque comme ça et puis au point où on va aller, comme vous mettez là-dedans, il faut rentrer dans un système quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je veux éviter l'amalgame. Ça, yo. Moi, je veux croire que le président Jovenel Moïse a vu une justice. Moi, connais effectivement enquête là, entravée avec présence Ariel Henry dans primature parce que c'est un suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse là. L'important pour répondre à la question de justice, c'est peut-être ça. Où est attaché avec le pouvoir? Il n'a pas voulu négocier avec force vive nation, hein? Tant que mon Danayo, tant que l'autre organisation politique, yo, li seulement contentel pour le passer moun sa yo en dérision. Li vle kembe pouvoir pour li seulement, li pa vle aucune autre entité exister parce que le connaît li gagne pour répondre question la justice. Ancien point n'a parlé des questions sanctions. Tout ça qui a privé là en la pays a question gangsterisation pays a. Li pa ta privé fait sans complicité
autorité étatique, sans complicité acteur dans la chaîne pénale là, particulièrement la justice là. Nous-mêmes dans RNDDH, ça n'a observé qu'à passer dans le paquet Port-au-Prince, dans quoi des bouquets. Eh ben, c'est des bagages qui nous pas jamais ouais. Côté que, bandits, yo, yo pas de prison pour yo. Et kidnappés, yo pas de prison pour yo. Acteurs, yo, paquetiers, yo, depuis yo entré dans la prison, yo prend l'argent dans la main, yo, yo libéré, yo. N'a pas rappelé, dans date 10 juin 2022, les gangs dans le village de Dieu al attaqué par les justices. Je te dis, nous attaqué par les justices, c'est parce que les bandits par nous qui sont en prison, n'a pas les bandits village de Dieu, c'est une déclaration ça a été fait. Les bandits par nous qui sont en prison, nous payons, on va libérer eux, mais les Genève, ils ont libéré eux bien vite. Mais pas quand ils font, et c'est ça qui est vrai. Qui conséquence sanction eux, une façon durable pour image pays, accès impliqué comme responsabilité pour autorité, institution haïtienne, les pigou représentants élite pays qui en bas accusation grave ça yo. Qui ça, la justice haïtienne doit faire? N'a qu'à ça. Le mini justice AIA fait déclaration pour le dire pas. Kaya Port-au-Prince pral ouvri yon enquête sou moun yo sanctionné yo et ben son porte oui que ministre l'a ouvri pour moun sa yo n'a pas kaya jan yo corrompi pi fò la dan yo pou yal aseler moun yo pou yo fè l'argent avec yo. Si ministre te dit li pral fè vetin de paquet, li pral louvri yon enquête sou comportement moun yo. Bon, tellement gen scandale tout au niveau paquet, nan tête paquet, pou tête paquet, ministre pat même besoin louvri yon enquête parce que yo gen des dossiers, yo gen plainte. Et si yo te respecté population, si yo t'a fait travail yo, si yo t'a travaillé dans intérêt population, yo t'a changé moun yo pour mettre moun qui là qui appliquer ça la loi dit, mais moun qui pas dans connivence avec bandi. Donc jodi an moun sa yo pas capable engager aucune poursuite contre moun parce que moun sa yo yo corrompu. Et puis si n'a pas les sanctions pendant y'a pas les sanctions, et puis c'est même gouvernement ça qui alimente bandi yo dans période coupe du monde là, yo ba yo kòb avec télévision. On gagne CAS là, caisse assistance sociale, c'est pour Genève et Ariel. Lila. Et il y a des gens qui sont très puissants dans le bureau premier ministre, qui sont très puissants, et bien qui continuent à utiliser, qui prennent l'argent du trésor public là, à alimenter les bandits. Mais c'est moun sa yo pour la société à sanctionner. C'est moun sa yo pour la justice engager poursuite contre yo. Mais pour la justice engager poursuite contre yo, nous-mêmes dans RNDDH, nous demandons pour un vetting qui fait dans le paquet quoi des bouquets avec juridiction pour tout ce qui s'est passé. Ça qui a passé là, li inacceptable, li révoltant. Nous pas capable encore. Li pas normal pour gagner aussi puissant comme ça. Pour tout viol ça, pour victime yo, et puis nous n'avons pas capable de voter plainte. Gagner pour pipiti, nous accompagner victime dans attaque, massacre qui fait dans le quartier défavorisé, il y a 13 plaintes qui portaient déjà là dans la juridiction Port-au-Prince. Pas aucune poursuite qui est engagée. Rien. Bandio, il fait ça au blé parce que l'autorité n'a peut-être pas qu'à yo, yo n'a connivence avec bandi. Il a mangé l'argent kidnapping, il a mangé l'argent bandi. Et c'est ça qui fait bandi yo puissant comme ça. Naturellement, ça ne va pas dire que nous n'avons pas des femmes avec garçons qui sont honnêtes dans la justice là. Gen qui fait preuve yo. Ça qui là, qui n'a peut-être juridiction ça yo, des juridictions ça yo, pas dans rien qu'on capable de faire avec yo. Et si, kounye la, soit disant que yo ta dit pral l'ouvrir enquête contre moun que yo sanctionné avec moun sa yo sans pas retirer yo sans pas gon vetting qui fait, et ben c'est mandou mande moun sa yo pour y al assez les moun sa yo pour y al faire pression sur moun yo pour ba yo l'argent parce que ça gien là dans juridiction Port-au-Prince là et avec quoi des bouquets ou pas ka fan rien là avec yo. Naturellement c'est pas dit tout moun yo pas bon non, mais faut gon vetting qui fait pour ça qui bon yo pour mettre yo environnement pour capable travailler, n'a appliquer la loi, n'a protéger la société contre insécurité, contre délinquance, contre zak banditisme. Directeur exécutif NDDH, monsieur Pierre Espérance, toujours dans le micro Vladimir Maurice Ridoré, il dit sorti novembre 2018 pour Yves Jounen Jodia, NDDH recensé 19 massacres à attaque gang armée ou fait dans quartier populaire, alors que gang criminel continue à circuler libre et libre en bas tout le monde qui a dirigé le pays. Défenseur doit maintenant d'une majorité attaque yo, bandit yo, yo joint appui de policiers dans diverses unités dans PNH non,
qui fait couverture pour yo pendant il a fait série attaque ça yo yo utiliser tout de engin loup qui pour l'état et de blinder la police pour commettre crime ça yo directeur exécutif NDDH n'a pas caché Jean indigné d'après avoir la justice haïtienne représenté une principal poteau mitant qui kembe impunité à corruption dans pays a n'attendez une autre fois encore directeur exécutif NDDH monsieur Pierre Espérance dans micro Vladimir Maurice Ridoué. Tout d'abord, il faut que nous reconnaître que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans kembe impunité avec corruption dans le pays. La justice là n'a jamais mis le bon côté de la population et acteurs dans la chaîne pénale là, en général, ils ont toujours une motivation économique, politique qui guide eux dans la décision qu'ils prennent. C'est pas